Salut tout le monde, là je suis en train de régler mon appareil en 2 secondes, parce que ça me casse les couilles. Donc je disais salut tout le monde, c'est Mec Casse-Couille sur internet. Je vais vous faire une petite vidéo là, sur Skype, la version la plus simple, enfin, le jeu le plus simple à faire sur internet. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Il faut que je règle un peu mon appareil photo. Au moins, si j'ai pas l'habitude de le faire, je fais un peu n'importe quoi. Ça tue un peu. Et oui, j'ai pas un support. Je suis pauvre. Je suis très très pauvre. Donc voilà. Donc j'ai tous mes conseils qui sont alignés, mais je n'arrive pas à faire le support. On va faire comme ça. Là. On va faire comme ça. Ou alors avec une. J'ai réussi. Nickel. Donc, voilà. On va faire une petite vidéo rapido sur Strider. Donc, Strider, c'est vraiment le jeu qu'il faut jouer quand on joue à la Sega. Donc moi, ce que je déplore en ce moment avec la Mega Drive, c'est que ils devraient développer beaucoup le système de le système graphique, le développer pour faire par exemple combiner la Xbox avec la Sega ou combiner la Sony avec la Sega pour faire une console nouvelle génération. Moi, ça me, franchement, ça m'attriste de voir cette console autant basse à ce bas niveau, juste à faire des consoles classiques. Des consoles classiques, c'est bien un moment, mais il faut développer plus. Il y a tellement de bons jeux dans cette console. Ça m'attriste vraiment qu'elle devienne comme ça, cette console. Enfin bref, même si j'aime bien ces consoles classiques. Je vais vous faire la version Strider. Donc c'est très rapide ce jeu là, je le sais, je l'avoue. Mais c'est vraiment le jeu avec Sonic. Il y en a même plein d'autres, il y a Street of Rage, mais bon, ce jeu là, il m'a marqué étant petit en fait. Ce jeu là, il est les graphismes russes. Version russe, tout ça, ça m'a flashé quand j'étais petit. Donc cette version là est vraiment énorme. Voilà, on va démarrer le jeu. Voilà. Voici ce jeu, cet énorme jeu que tout le monde connaît, qui malheureusement n'a pas de 2 pour moi. Le Strider 2 n'est pas la version Strider que je connais, malheureusement. Donc voilà, écoutez-moi ce son magnifique, ça, c'est une pure beauté. Il est très court, mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu, qu'est-ce qu'il est bon. Et quand tu joues ça, quand t'as même pas 2 ans, 2, 3 ans, bah, crois-moi que ça flash, quoi. Moi, j'étais petit, bon, effectivement, j'étais petit, mais bon, ça flash, quoi. Tout simplement énorme. C'est énorme. Énorme. Je vais essayer de me taire et jouer un petit peu au jeu. Tout le monde connaît ce jeu, évidemment. Celui qui connaît pas ce jeu, franchement, c'est un blaireau. Je vous le dis tout de suite. Donc on va niquer un peu ces enculés. On va enculer ces enfoirés. Et c'est speed. Le jeu est speed. C'est un peu comme Sonic, mais speed quoi. C'est un personnage speed. C'est ça que j'adore dans ce jeu là, c'est que c'est rapide. Voilà.
incroyable ce jeu. Vous voyez le logo russe là? Magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Et le son. Le son magnifique. Ouah. 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 Mon dédicace à Hooper, on va voir si je vais être plus fort que lui au troisième niveau. Parce que je sais que Hooper a eu du mal à tuer ce boss là. Dans la jungle. Au niveau de la jungle avec le robot. On va baisser un peu le son. Tac. J'ai perdu un peu de temps là. Je vais aller plus vite. Je vais aller plus vite parce que là, danger. Il y a danger. Les amis. Regardez-moi encore ce logo là. Cette espèce d'église ecclésiastique. Vous voyez? Protestantisme. Magnifique. Église protestantisme. C'est franchement, c'est magnifique. Pourtant, cette console est futuriste. Franchement, honnêtement, elle est futuriste, cette console. Encore à cette en 2021, elle est futuriste, cette console. C'est pour ça que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cette console-là est futuriste et...